Car on va accueillir maintenant un jeune qui a bien du talent. Il était d'ailleurs sur la scène de l'Olympia en première partie de Linda de Souda il n'y a pas très longtemps. On va lui faire un triomphe. Moi, je crois beaucoup à l'avenir de ce garçon. Jean-Luc Lay, appelle-moi Brando. Jean-Luc Lay.
Appelle-moi Brando. Ça s'est passé des choses depuis qu'on s'est vu pour la première fois, depuis que les radios ont programmé, ont fait entendre à des millions de gens, femmes que j'aime. Il y a eu un spectacle que j'ai vu à l'Olympia. Et puis il y a maintenant Brando avec un hommage à cet acteur que Dirk Sanders, ça ne vous a pas échappé, a rendu à travers un certain nombre de photos des films de Marlon Brando. Vous n'avez jamais rencontré ? Non, j'ai voulu rencontrer James Dean, mais on est en rupture de James Dean en ce moment. J'ai voulu rencontrer Brando, il paraît que son tour de taille ne lui permet pas de se déplacer. Alors... Il devait venir à Paris récemment, enfin, je sais que vous l'avez rencontré il y a un jour. Mais c'est pas seulement un hommage à Brando, mais c'est un petit peu le reflet de toute une génération, celle qui appartient à ma génération. C'était une société où il y a plus ou moins, on est en manque d'affection, et c'est un cri au manque de tendresse. Bien Jean-Luc, vous restez avec moi. Moi je crois qu'un jour on vous verra aussi, comme Brando sur un écran. Parce que je crois que vous ferez un jour du cinéma, mais ça c'est un avis personnel. Fermons la parenthèse.